Bienvenue pour quelqu'un qui... Il nous a fait plaisir. Ouais, ben, il n'est pas encore... En fait, tout cas, ouais. Là, il est là. Sa carrière est figurante. C'est incroyable ce qu'il a fait. Mais pour vous dire que... On l'aime. Il s'appelle... Michel... Charrette. C'est bon, salut les gars. Salut, Guylain aussi. Plaisir. C'est un pourquoi de... Merci. C'est un pourquoi de savoir comment vous allez. Ben écoute, je vais super bien. Je vais bien. J'ai des beaux projets, tout ça. Ça va bien, la santé est bonne. OK, ça, c'est bien. C'est correct que je vais te tutoyer? Oui, oui, ça va, ça va. Est-ce que ça te dérange qu'on te pose des questions? Non, ça me dérange pas. Bon, t'aimes ça qu'on parle de toi? Ben, j'haïs pas ça, c'est sûr. Non, non, mais est-ce que t'aimes ça? J'haïs pas ça, c'est pas une bonne réponse. Installe l'affaire, là. Ben oui, j'aime ça. Oui, je fais ce métier-là parce que j'aime ça qu'on parle de toi. Il faut arrêter. Parce que là, il est trop timide tout le temps. Non, mais là, je peux-tu répondre aux questions? Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas fini. Ouais, mais si tu me poses une question, moi, je réponds habituellement. Ça marche habituellement ailleurs. Je dis, sur d'autres plateaux, c'est comme ça, on laisse le temps à l'invité de répondre. Je te dis, on s'excuse. Êtes-vous ici pour apporter des affaires sur moi? Oui, on va. Ben là, bon, on est désolé. Toujours en. On est désolé. Moi, je vais éviter celle-là. Là, Merci. Qui frappe, là. Ton travail ressemble à. Mon travail? Oui, ton travail. Ah, mon travail. Oui, c'est de ça qu'on est venu parler. Oui, je sais, c'est parce que j'ai compris le travail. Mon travail ressemble à, ben écoute, je suis comédien, donc mon travail consiste à interpréter. Oui, mais ça ressemble à qui, ça? C'est qui est comédien, là? Ce que tu fais? Il est obligé de le parler? Ben, ça ressemble à qui? Ça ressemble pas à personne. Chaque acteur est unique. Je veux dire, je fais mes affaires. Il y en a qui font leur affaire. Il faudrait qu'ils nous divertissent. Quand tu parles de divertissement, tu devais nous divertir. Un peu. Qu'est-ce que tu dirais? Bien là, le divertissement, il y a des humoristes pour ça. Moi, je suis un acteur, je suis là pour divertir, oui, mais j'interprète des rôles. Bon, est-ce que t'aimes ça faire broyer les gens? Aimes-tu ça, toi, Michel Charrette? Mais ça dépend, dans le cadre de mon travail, mais dans... Même si c'est ça, je te demande. Sacrément. Ça passe pas, là, la barre, là. Non, mais... Dernière minute. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu étais avec une fille de ton âge? On va changer. La dernière fois que j'étais avec une fille de mon âge, mon Dieu, je fais un bout. Peux-tu venir à l'autre question d'avant? On parle de mon métier. Non, parce qu'on n'a pas tout le temps qu'on aurait voulu. Il reste, là? 45 secondes. Bon, question, comme une question vite, là. Question qui suit? Oui, OK. Michel Charrette... c'était quoi, non? OK. Michel Charrette, préfères-tu mieux donner ou recevoir? Bien, si c'est une volée, j'aime autant donner, mais si c'est de l'argent, j'aime autant savoir. Ce sera ça, moi, je pense. En tout cas, on la garde, ça, là. On OK. Hey, ça va bien? Oui. Ça va bien? Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, en regardant la caméra qui est là, nous dire... Je regarde Michel Charrette. Je regarde le 9.5. Oui. Mon émission préférée, ça vous revient après la pause. OK, go! 85.8 préféré l'émission. Écoutez ça, ça vaut la peine. Je sais pas, là. Non, moi non plus. On va dire qu'on ferait comme ça, on était prêts. Alors, on est de retour. C'est toujours... Mais oui, Michel Charrette. Mais oui, Michel Charrette. Oui, ben oui. C'est le fun, de loin, là. Mais est-ce que vous vous considérez toujours prêt ou préparé? Mais prêt. Je suis prêt à faire ce qu'on me demande, puis je suis préparé à faire ce qu'on me demande, mais... Quand tu arrives à des places où tu n'es pas préparé puis tu as des incompétents qui te posent des questions, c'est toujours plus difficile d'être prêt ou préparé. C'est comme s'ils nous visaient. C'est comme s'ils nous visaient. Non, je ne vise pas personne en particulier. Non, je ne pointe pas personne du coude, là, mais... Il est un peu à crise. Ouais. Mais ça, moi, j'ai d'autres choses à faire, tu sais, à un moment donné. Ouais. OK, si on revient à nos patates, là. Michel Charrette, les boys 1, 2, 3, 4, est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Moi, il prend son temps pour répondre. Ça ne tente pas. Non, c'est pas que ça ne me tente pas. Oui, il y a eu d'autres choses, évidemment. J'ai commencé à quelque part. Merci.
J'ai fait... bon, j'ai commencé dans Chambre-en-Ville, mon premier rôle en continuité. Ça fait longtemps, là. Mm. On n'a pas le goût de... Oui, mais c'est parce que tu me demandes s'il y a eu d'autres choses à part les Boys 1, 2, 3, 4. Il y a quelque chose de substantiel, tu sais. Jamais avec ou toujours avec? Jamais avec vous autres, puis toujours avec moi-même. Si vous étiez une femme, quel genre de femme aimeriez-vous être? Oui. Une grosse cochonne. Au niveau caprice... J'en chauffe une 88. Cabriolet de caprice, là. Une excellente voiture. Dans quelle série Rémi Girard n'a pas joué? Mon Dieu, dans quel... Omerta. On l'a collé. Non, Omerta, Omerta. Il n'a pas joué là-dedans, Omerta. Okay. Non. Okay. Ouais. Avez-vous d'autres choses à lui ajouter? Ajouter par rapport à Rémi Girard ou... Non, à vous. Non, mais ben, écoutez, c'est pas moi qui pose des questions. Je suis pour y répondre. Non, on vous demande ça, mais on vous répondez, là. Par exemple. Avez-vous déjà fait mal à un animal? Quand vous étiez jeune. Oui. Non, j'ai jamais martyrisé un animal ou en blessé un. Non plus. Non. Vous n'avez pas de violence dans vous? Bien, j'ai de la violence, là, de plus en plus. Aujourd'hui, ça monte, là. OK. Pourtant, les gens vous aiment pour d'autres choses que ça. Vous avez de la violence dans vous. Ben oui, tout le monde a de la violence en soi. Je veux dire, il faut que ça sorte. Vous pensez-vous que vous en avez plus que d'autres? Il y a certaines journées, oui. Tu sais, quand je connais pas de blonde. Non, il n'y a pas de chicane chez nous. Là. OK. Mais de ma job, le pire scandale, vous avez été là. Impliqué? Jusqu'à date. J'ai déjà fourré une chèvre. Bon, c'est correct pour vous autres, ça? Ah. Il est dégoûtant. Moi, j'aime pas. Moi, ça. Ben, ça devait être drôle. Bon, ça devait être drôle, par exemple. Quand vous analysez, là, vous trouvez-vous bon? Avec les cornes, là. Mm. Oui, par en arrière, puis bon. Fait de la laine avec tout ce qu'elle avait. Vous trouvez-vous bon, vous, comme acteur? Oui, je me trouve pas pire. Je me trouve pas pire. Certaines affaires que j'ai faites, je suis content. D'autres affaires, moins. Mais c'est un travail, tu sais, je veux dire. On peut-tu parler des moins? Des moins bonnes affaires que j'ai faites? Ben, une pas pire liste. Je veux dire, j'ai fait un film qui s'appelait Les Dangereux. J'étais content de ma performance, mais il n'y a pas eu de succès escompté. J'ai aimé ça, Ouais? Moi, dans la région, bien aimé ça. Bon, j'ai fait ça. J'ai fait une série à TVA qui s'appelait Max Inc. Le concept était le fun, mais ça n'a pas levé comme ça aurait dû, tu sais. C'est comme plus le coup, là. Vous comparez à qui? Je me compare à qui? Ouais. Je me compare à personne. Je suis unique. Je suis une... Qu'est-ce qu'on attend de cette unique personne de Michel Charette? On attend le... Cette année, là. Bien, cette année, on attend que cette personne-là devienne meilleure. Je veux devenir une meilleure personne d'année en année. J'essaie de m'appliquer là-dedans. Il n'y a pas juste la job dans la vie, mais j'essaie de composer avec ça, là. 15 secondes. Bien, c'était Michel Charette. Hein? Ben oui, non, mais merci. Ça... Moi, j'en reviens pas que ce soit ici. Bien, moi non plus. Moi non plus, j'en reviens pas encore. Pas mes messages. Neuf points 5.